Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan mon konnen ou gen problème et puis ke ou content comme ça? Ah, m'pa kache di ou. Depuis m commencé li bib mwen chaque jour, m senti charge problème mwen yo sorti sou dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter yon bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh, moi t'attendais yon annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Juges chapitre 21. Rétablissement de la tribu de Benjamin. Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. » Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ?» Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un autel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent, « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ?» Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit, « Il sera puni de mort. » Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et il disait, « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ?» Ils dirent donc, « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah? Et voici, personne de Jabès en Galaad n'était venu au camp à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors, l'assemblée envoya contre eux 12 000 soldats en leur donnant cet ordre. Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez.
vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui. Et ils les amenèrent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler aux fils de Benjamin, qui étaient au rocher de Rimmon, et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galaad. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent: « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ?» Et ils dirent: « Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant: « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Et ils dirent: « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel, à Sichem et au midi de Lebona. » Puis ils donnèrent cet ordre aux fils de Benjamin: « Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons: accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez données. En ce cas, vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Introduction au livre de Ruth. Ce livre de la Bible a pour titre le nom d'une femme d'une royauté exemplaire, une Moabite, Ruth. Ce récit se déroule logiquement en quatre parties, précédé d'une introduction et suivi d'une conclusion. Trois intermèdes servent de transition. Chaque étape du récit met en évidence les qualités de cette jeune fille. Dans l'adversité, elle ne se résout pas à abandonner Naomi, sa belle-mère. Et elle entreprend courageusement de glaner dans le champ de Boaz, un parent de Naomi, pour assurer leur survie à toutes les deux. Elle met tout en œuvre pour demander le mariage, ce qui procurera subsistance et pérennité pour la famille. Ruth devint ainsi bisaïeule du roi David, dont la généalogie constitue l'épilogue de l'ouvrage. Le chapitre 1, versets 1 à 8, pourrait s'intituler « De Bethléem de Juda au pays de Moab.
récit d'un aller et retour. Une famille israélite composée du père Elimelech, de la mère Naomi et de leurs fils Nachlon et Kijon s'exile au pays de Moab suite à une famine dans le pays. Ayant perdu tous les membres de sa famille, Naomi décida à rentrer à Bethléem. De ses deux belles filles, Orpa et Ruth, seule la dernière se décida à rentrer avec elle en lui disant « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Les chapitres 1 à 4 relatent le processus du mariage lévitique providentiellement conduit par le Dieu d'Israël. Mariage entre Ruth et Boaz. Par ce mariage, Ruth, une étrangère, modèle de piété, aïeule du roi David, figure dans la généalogie du Messie selon Matthieu 1er verset 5. C'est Naomi qui initie la rencontre de Ruth avec le riche et puissant Bethléemite, Boaz. Cette belle-mère a eu un but très louable pour sa belle-fille. « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Boaz procède sans embâge à ce mariage et prend officiellement Ruth pour femme. De cette union naquit Obed, père d'Isaïe, père de David, tel fut donc le dénouement heureux et surtout la consolation pour Naomi et Ruth. Ce qui compte pour le Dieu d'Israël, c'est la foi en lui seul et l'observance de ses préceptes, non l'ethnie du fidèle. La fidélité persévérante est toujours récompensée. Ruth, chapitre 1er. Attachement de Ruth pour Naomi, sa belle-mère. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme, Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit du pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Nous? Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance. » Quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous,
Je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner, loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, « Est-ce Naomi? Est-ce là Naomi? » Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi ? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Éphésiens, chapitre 3. Le mystère de la vocation des païens, immensité de l'amour de Christ. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne,
selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens, chapitre 4. L'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.